Alors, Julien, ça tourne. Quel jour on est Vendredi. On est vendredi. Vendredi 26 février. 26 février, super. Donc, il est 10h du mat pour nous, 9h pour toi. Tu as une semaine pour cogiter sur la proposition. Est-ce que tu as regardé le blog déjà? Oui, j'ai regardé le blog, j'ai regardé toutes les vidéos. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, bah, écoute, c'est une bonne prise en main du projet, tout avec Marianne, c'est cool. Tout le monde. Hâte d'avoir des petits détails un peu sur les photos. Voilà, bien sûr. En elle-même. Et... Alors les photos, les détails, si tu veux, on les verra avec la photographe directement. Quand toi, tu pourras venir, je vais la caler le jour où tu es là pour pas louper. Et là, tu vas discuter avec elle parce qu'elle a un point de vue artistique aussi, tu as le tien. Donc il faut que ça fusionne tous les deux. Tu as des propositions sûrement à faire sur les photos, elle les prendra volontiers. Elle est d'accord, Julien. Il est d'accord, Julien. Est-ce que tu es d'accord? Oui, parce que concrètement, on ne l'a pas dit aux internautes, tu es d'accord pour le projet Je suis d'accord. Ok, avec un grand sourire. Julien, tu avais évoqué le fait que tu travaillais pour l'ambassade du Maroc et que tu avais une image à gérer, c'est ça? Ouais, il y a quand même. Alors, c'est pas l'ambassade du Maroc, c'est l'ambassade de France. Donc, c'est l'image de la France et un peu au Maroc. Sur ce niveau-là, j'ai réfléchi. Je ne compte pas y travailler longtemps. C'est-à-dire, j'arrête là au mois de mai. Ah bon? Pour faire. Ouais, je suis artiste, hein, je suis pas salarié. Ouais, je comprends. Oui, je comprends. T'as pas envie d'être prof de théâtre. Donc, on est trop bloqué justement sur l'artistique, sur les choix à faire artistiques, sur tout ça. Donc, j'y suis très bien en prof, tu vois, mais dans le boulot me plaît beaucoup. Maintenant, je préfère être un intervenant extérieur qui vient donner des cours de théâtre qu'un salarié de l'institut. Je suis beaucoup plus libre en étant indépendant. Bien sûr, ouais. Ça, je comprends. C'est pas facile parce que. Meknès, moi, le Maroc, voilà, ça me plaît beaucoup. Mais entre-temps, c'est pas grave, je postule. Là, j'ai un casting pour un cabaret à Nantes, figure-toi, le 10 mars. Donc, je pars à Nantes le 10 mars pour postuler dans un cabaret. Ah, mais génial, donc tu es là, tu es en France, du coup, dans cette période. Donc, tu pourrais venir faire les photos. Ouais, mais je fais l'aller-retour. Oh, profite, Julien, non, pour les frais, ça peut t'occasionner. Je peux pas, les avions ils sont trop chauds. J'ai 2 jours de congé le jeudi et vendredi. Et... Oh purée, c'est tellement dommage. Si tu avais une demi-journée, je me dirais on s'en sort. En avril? D'accord. Et ça, ouais. Oui. Et ça te fait des frais quand même. En avril, je fais un aller-retour pareil, vite fait, comme ça. Ok. Alors, essaye après le 4 avril, parce que moi je suis en tournée jusqu'au 4, mais vraiment je ne suis pas là. Donc, après, à partir du 4 avril, essaye que je sois là, que je te vois pendant ces 2 jours et qu'on s'occupe de tout ça avec Stéphane et la photographe et ma sœur. Et donc, tu m'avertis bien à l'avance que tout soit carré, hein, parce que réunir tout le monde, c'est pas simple. On va tous le faire en même temps? Non, mais comme ça va être quand même filmé, pas toi nu qui sera filmé, mais au moins ta tête et l'endroit où ça se fait et l'ambiance. Stéphane va filmer l'ambiance. Donc c'est important pour les internautes qui suivent le projet sur le blog. Et évidemment, je veux te voir, sinon ça ne va pas le faire. Il faut que je te voie. Parce qu'il faut que je te voie, il faut qu'on en parle de tout ça. Après, dis-moi ton projet, toi, par rapport à ce calendrier. C'est quoi ton projet? Alors moi, mon projet, ben, ce serait de pouvoir monter une école mobile de théâtre pour l'Afrique et pour l'étranger. D'accord. Voilà, c'est pouvoir avoir suffisamment d'une petite voiture et une caravane ou une sorte de petit camping-car qui permettent de bouger en Afrique et de rester un mois quelque part, sensibiliser à l'environnement, à travers le théâtre et dans des villages ou dans des villes africaines. D'accord. Ben super, c'est un super projet. Ça serait ça. Ouais. D'accord. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et ouais, c'est surprenant. J'ai toujours voulu monter une école en Afrique et depuis la Corse, tu vois. Ouais. Donc,
Voilà, du coup, j'ai repensé en travaillant à Meknès. C'est vrai que du coup, c'est l'occasion, quoi. C'est, Complètement. Ouais. Non, mais je te vois bien qu'une roulotte. Avec ma soeur, on te fera les peintures. On va te faire une. Ah, ben, il y a Hélène aussi, ouais. On va te faire une roulotte. Bon, voilà. Julien, le... C'est permis. L'idée d'utiliser son corps. L'idée d'utiliser son corps comme une sorte de, pas d'arme, mais de moyen d'interpellation, ça, tu as réfléchi à ça ou c'est secondaire ça? Non, j'ai réfléchi maintenant, c'est plus sur la couleur ou... voilà, j'ai pas mal de questions sur la couleur, bon, j'ai déjà fait des nus cet été. Pour un réalisateur allemand, mais j'ai rien en tête en fait, j'ai rien de précis, je vois rien, je vois juste que le projet est intéressant, que c'est le projet de Sophie d'abord, et donc je laisse faire en fait, voilà, il y a pas de, j'ai envie de laisser guider, il y a pas de, le moteur, je vais éliminer même, tu vois ton... Vous avez eu des difficultés pour trouver des mecs, ça ne me surprend pas, même moi je pourrais être un peu réticent aussi, tu vois. Mais non, en fait je m'en fiche, c'est bon. Le moteur principal, c'est l'amitié. Oui. Le moteur principal, c'est d'aller, de retrouver Sophie, de partager ce projet ensemble. Et après, justement, c'est le calendrier des fauchés, hein. On est fauchés, mais... l'amitié reste là et c'est peut-être la plus belle des richesses, on va dire. C'est de continuer à trouver ensemble quelque chose. Et après, si on gagne 2-3, je trouve que c'est très bien. Ben voilà. Non, mais d'abord, moi, ma priorité, c'est de retrouver aussi Sophie. Donc, on se revoit quand? On se revoit en avril. Je sais pas. Parce qu'à la limite, on se revoit pour quand il descend. On se revoit en avril, Julien. Il faut que ça soit... Voilà, il faut que tu m'avertisses vraiment à l'avance et qu'on planifie ça. Parce que si ta date ne correspond pas à la photographe, on sera obligé de, tu vois, de caler autrement. Donc on se voit à ce moment-là. Moi, tu sais que je m'en vais sur Paris là, du 8 au 26. Après, je repars du 1er au 4. Donc j'aimerais que pendant ce temps, toi, tu te cales une date. Et en avril, on se pose et on se voit et on avance dans le calendrier. On fait ça. Je te mets au courant. Ouais. Ben, je voulais te dire que je te mettais au courant dès que le blog il est officiellement sur Internet. Ouais, d'accord, moi en avril je suis dispo du, par exemple, jeudi, toi tu m'as dit après... Après le 4. Le 4 avril. Je serai dispo le 7. Le 4 avril, ben écoute, moi je suis dispo le 7 et le 8. D'accord, ou éventuellement le 15 et le 16, quoi, la semaine d'après. 14, 15, ouais. Mais après, avril, ouais. Avril, d'accord. Je suis assez dispo, donc c'est... D'accord, ok. Donc voilà, ben, je vais voir avec la photographe sur les jeudis en question, qu'est-ce qu'il arrange, et je te mets au courant. Hein? Les vacances de Pâques, il faut que je me renseigne aussi quand ça tombe aussi, parce que c'est beaucoup mieux pour ma sœur les vacances de Pâques, mais je ne sais pas les dates. Je vais regarder tout ça, Julien. Nous, entre-temps, on s'appelle de toute façon pour les nouvelles, pour les bonnes nouvelles. Juste, pour la photo, oui. Tu m'avais demandé... aussi, ce que je voudrais, par exemple, toi, c'était la peinture, tu m'avais donné l'exemple de la peinture. J'ai envie de faire la peinture et le théâtre, parce qu'on aura 2 mois chacun. Et si tu as une préférence sur tes mois, tu les choisis, Julien, il n'y a pas de souci, si tu veux proposer tes mois. J'aurais voulu profiter du feu, toujours, tu vois. Oui, ça serait génial. Ouais. Donc, peut-être pour un mois d'été, tu vois. Ouais. Ouais, ça peut être intéressant. Maintenant, j'ai pensé au feu et aussi à la technique qui sont en lumière, tu sais. Oui, à être comme un technicien qui va préparer les projecteurs. Ou qui m'intéresse un projecteur. C'est ton truc, quoi. Ou alors avec la table de mixage, tu vois. Ouais, c'est ton truc. De dos avec la table de mixage et le théâtre derrière. Complètement, ouais. Une espèce de chef d'orchestre, là, tu sais, avec le... Voilà. Ouais, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Ok. Ben, ça, c'est des propositions à faire à Hélène. Je lui en parlerai. Et pour le feu, tu peux prendre le mois de juin, par exemple, parce que c'est ton mois, hein, c'est le mois de tes 30 ans. C'est ton mois, le mois de juin. Ça peut être intéressant de faire ce mois-là avec le feu,
puisque c'est quand même ton domaine. Il y a un truc à faire, on va faire un truc super. Ouais, le feu, ça pourrait être vraiment super. Je sais pas, j'imagine un rond de feu, tu vois, un gros rond de feu au milieu. Ouais, en train de naître, tu sais. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ah, mais Hélène, elle va se régaler à ce niveau-là. Noir et blanc, c'est en quelle couleur? C'est en couleur ou noir et blanc? Eh bien, c'est comme tu veux. Moi, au niveau théâtre, je vais faire du noir et blanc avec le rideau rouge qui ressort, c'est tout, pour la photo théâtre. Il y aura, voilà, ça sera du noir et blanc avec juste la couleur rouge pour le rideau. La peinture, on va le faire en couleur, normalement. Après, c'est un choix de chacun. D'accord. Ouais, du coup, ça doit vraiment être comme des tableaux. Chaque fois, un truc différent. Oui, voilà. Il n'y a pas une thématique précise sur chacun. Non. Bah, cool. Bon, je vais te laisser parce que Stéphane a beaucoup de travail, donc on ne va pas pouvoir rester trop longtemps, mais on se recontacte. Okay. De toute façon, ça va passer vite. Moi, je tiens pas à finir fauché. Bon, bah, écoutez, on se tient au courant. Hein. Aussi au courant. J'avais regardé pour venir à Paris, mais... Tu peux pas ? Oh, ça aurait été génial. Je suis déçue. Ben oui, mais ton spectacle, il n'y a pas le jeudi soir. Non, tout sauf le jeudi. C'est mardi, mercredi, vendredi, samedi. C'est dommage. Et ouais, parce que le mercredi, c'est très dommage. Ouais. Ouais, c'est compliqué. C'est pas grave, je rejouerai de toute façon, il y aura d'autres opportunités, il ne me fait pas de soucis. Bon, Juju, gros bisous. Bon. Dis-moi, bisous, on est chez toi, là? On est chez toi? On est où, là? Ouais, c'est chez toi. Putain, c'est classe, c'est joli, hein? Ah, c'est joli, bah écoute. Attends. Super, c'est super joli. Attends. Ah, bien, ça me plaît. Attends, quand même 2 secondes. Oui, parce que je vais quand même venir un de ces quatre, donc comme ça je vois où c'est que je vais loger quand même. Ouais, ça va. C'est joli. Il y a de la place, hein? Oui, il y a de la place, ça va. Je peux venir avec Natacha, alors. Super. Ah ouais, ça va, t'as de la place, ouais. Mais c'est plus grand qu'en Corse, hein? Ah ouais, Stéphane? Ouais. Magnifique. Stéphane, tu peux dormir là. Voilà, non, c'est pas mal, oh, c'est grand, hein? Ah ouais. Ouais, j'ai 4 salons, enfin, c'est trop grand, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Super. Génial. Voilà. Allez, bon, bah, écoute, voilà, voilà, ouais. Je vous ferai des gros bisous. Gros bisous. Allez, c'est là un truc vert. Et on se rappelle, vous me rappelez quand il faut qu'on... On se rappelle. Dès que j'ai des questions importantes et qu'on avance, je t'appelle, je te mets au courant. Il n'y a pas de souci, on s'envoie des mails. Bye bye. Ciao. Okay.